Les Lions de la Teranga peuvent donc souffler après un premier match poussif. Les Sénégalais ont ouvert le score face au Zimbabwe, 1-0 pour leur première rencontre en Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez suivi ce match, Cédric Ferreira à Bafoussam au Cameroun. Et c'est Sadio Mané qui libère les Lions. Ah oui, quel soulagement pour les Sénégalais. Il a fallu attendre les toutes dernières minutes de ce match face au Zimbabwe. On était dans le temps additionnel et un défenseur zimbabwéen a fait une main dans la surface de réparation. Et là, ça a été sans appel, évidemment, pénalty pour le Sénégal. Sadio Mané l'a transformé sans difficulté. Et voilà la star des Lions qui a offert la victoire aux Sénégalais, qui a marqué son premier but dans la compétition. On se doute que toute la sélection sénégalaise ne retiendra que l'essentiel, cette victoire, car dans le contenu, c'est vrai, les Lions ont eu beaucoup de mal face à une équipe zimbabwéenne courageuse. Durant tout le match, c'est vrai, les Sénégalais ont dominé, se sont procurés pas mal d'occasions en première période avec Sadio Mané et Keita Baldé. En deuxième période, ils ont eu un peu plus de difficultés face à une défense regroupée du Zimbabwe, mais au final, ils ont réussi à forcer la décision et à emporter ces précieux 3 points pour lancer cette compétition. Car on le rappelle, le Sénégal a beaucoup de pression sur ses épaules. Ils font partie des favoris et ils sont là pour remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors avec cette victoire, ça va donner un peu de répit aux joueurs. Et puis c'est vrai qu'il faut rappeler aussi que le Sénégal a abordé ce match avec une équipe décimée. 11 joueurs testés positifs au Covid-19 sur les 28 sélectionnés. Pour les prochains matchs, Aliou Cissé devrait récupérer quelques éléments. Et d'ailleurs, le Sénégal qui aura maintenant rendez-vous vendredi face à la Guinée. Le Sénégal qui est bien parti pour se qualifier, en revanche, pour le Zimbabwe. C'est aussi un coup dur, hein, qu'il pensait tenir le match nul. Il se retrouve maintenant avec 0 point. Mais le Zimbabwe qui pourra se racheter dès vendredi aussi face au Malawi et ensuite face à la Guinée, puisque les Zimbabwéens espèrent bien sûr se qualifier pour les 8e de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. 1-0 donc, Sénégal-Zimbabwe. Merci beaucoup, Cédric Ferreira.